moi, ben aujourd'hui j'ai reçu la lookbox, mais moi c'est particulier, la lookbox que j'avais commandée en juin, je ne l'ai jamais reçue. Alors, est-ce que c'est moi qui me suis pris trop tard? Je n'en sais rien. Bon bref, après leur avoir dit, elles m'ont dit qu'elles m'envoyaient quelque chose. Donc j'ai pas pris celle de juillet, parce que j'avais pris celle de juin parce qu'il y avait des vernis Barryerwen, donc je ne l'ai pas reçu. Donc aujourd'hui j'ai reçu un colis, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Hein. Là c'est la lookbox parce que j'ai pas reçu celle de juin. Alors c'était le juillet ou c'est un. On dit que c'est une surprise. Donc on va bien voir. Voilà. C'est une surprise. Voilà. Ça me rappelle le petit sac que j'avais reçu une fois. Parce que j'avais commencé là. Je l'ai commandé que deux fois. Une fois. Là, c'est un petit sac. Et ben, on dirait que j'ai déjà le vernis Barryerwen du mois de juin. Là, c'est gentil parce que je l'attendais celui-là. Majorque. Pas se le voir. Majorque Barryerwen, c'est un orange. Puis tu l'attends. Ça se trouve, c'est tous les produits du mois de juin. Alors, j'en sais rien. Alors, il y avait un pochon où ça s'est ouvert dessous. Donc, c'est pas grave, c'est vidé dans le petit sac. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu avec ça? J'ai reçu un durcisseur d'ongles jaune. Voilà. Parce qu'on le voit. C'est Yolizul Fashion Harnais Calcium Durcisseur Calcium. Je sais pas comment ça. Ah oui, ah ben c'est jaune citron. Et ça se présente avec un petit pinceau. C'est peut-être la box de juin, mais je vous dis, j'en sais rien parce que je n'ai pas trop regardé pour avoir la surprise. Et puis j'ai oublié, je suis. Testé Belle Airflow Lip. Lip gloss, on dirait que c'est un gloss de marque Belle. Il me semble que c'est le truc de juin, mais j'en suis pas certaine. Voilà, c'est un gloss rose. Oui, si j'ai une tête pas fraîche, je m'en voulais pas, c'est que j'ai très chaud. Testé Belle, voilà, c'est rose. C'est le numéro 3. Pas que je fasse un peu de tri dans tout ça. Avec ça, j'ai un crayon pour les yeux 100% tenu. Il est vrai qu'il est bleu, numéro 5. C'est un bleu comme ça. Le swatcher, comme dit, j'aime bien le terme. Le rose là de Belle. Okay. C'est un rose assez épais. Ouais. Et on va swatcher le crayon. Direct, un bleu, ouais. Attendez, je vais l'ouvrir. Je vais poser mon petit. Il faut que je fasse un ménage, moi, dans mes arrières. Je ne sais pas. C'est bien beau de commander tout un truc, peut-être paquet de trucs, mais. Je cherche par où ça s'ouvre. Bon, c'est des éducateurs. Il y a bien quelque chose qui ressemble à une ouverture, mais voilà, je l'ai ouvert à l'arrache. Je vois pas très bien parce qu'on dirait que c'est un bleu vert. Je vais le passer sur la main. Ouais, c'est un bleu ciel turquoise.
mettre de côté. Ben, ça c'est quoi? Un body graphie. Body graphie professionnel cosmétique. Voilà. Une petite pochette comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Je n'en sais rien. 12 mois, c'est marqué. Not animal tested. Il est marqué comme ça. Pas testé sur les animaux. Made in USA. On dirait un gloss. Voilà. C'est un peu mandarine, un peu orange. Body graphite. Voilà, et c'est le numéro 2003, Fiji. Voilà. Et c'est un gloss, effectivement. Bon. Ça sent bon, ça sent le sucre, le caramel. Ça sent le caramel. Ouais, ça a une couleur caramel d'ailleurs, Fiji. Voilà. Je vois pas très bien qu'il flotte aujourd'hui. Hop. Alors, avec ça, je crois, un crayon jumbo, on dirait. Pixie Eye, ouais, qui est un vieux rose, on dirait. Un jumbo. Vous voyez, avec un gros une grosse mine. Ah, pour tailler celui-là, j'ai pas le petit crayon. Hop. Et un rose, vieux rose, clair. Assez clair. Ah tiens, ouais. Pixie, je connais pas la marque. Hop. Alors j'ai un papier vert et dedans j'aurais un petit vernis bourgeois. Numéro 37, hein, je sais pas si on l'a dû le voir. Alors maintenant pour l'ouvrir, ça c'est. Je suis pas douée, hein, pour... puis j'ai plus d'ongles. C'est une horreur. Hop. Et on va le faire comme avec les autres. Hein. Un marron caramel. Ouais. C'est sur un ongle. Ah, je fais ça à l'arrache. Hein. Bon, ça sent assez fort le vernis. J'en ai foutu de partout parce que il faut que je refasse les cuticules et tout. C'est un cerise, on dirait. Bon, là, c'est passé n'importe comment parce que il faut que j'enlève l'autre. C'est une sorte de cerise. La couleur est sympathique. C'est un foncé, ouais. Bourgeois, allez, hop. Machin. Hop là, alors ça on irait une petite eau de toilette, c'est bleu, dans un flacon bleu en vert, avec un petit capuchon. Bah, dessous j'ai rien vu de spécial, c'est trop petit. Elisabeth Arden, on dirait un échantillon d'Elisabeth Arden. Ouah, je suis arrivée à lire. Ouais, c'est un petit échantillon.
Teutonique. Elisabeth Arden. Et il reste un dernier petit machin. Je ne sais pas ce que c'est minéral. Il y aura un pinceau. Ouais. Et voilà, alors je sais pas du tout si ça correspond à la box de juin, parce que je pense pas, je pense que c'est un cadeau surprise parce que j'ai pas de mots avec. Bon, ben c'est gentil. Après c'est un petit mot avec. Bon, j'ai reçu mon vernis, c'est déjà l'essentiel parce que je l'avais commandé essentiellement pour le vernis Bayerlin. Couleur beau orange, j'ai pas de ces couleurs, un petit palmier Majorque, plus qu'à l'essayer. Et le reste, je pense pas que ce soit la box de juin, mais bon, c'est peut-être me tromper. Ceux qui l'ont reçu, ils me le diront. Allez, on met encore du bazar arrangé. Bon, mais je suis contente quand même d'avoir reçu au bout d'un mois et demi. Là, je sais pas ce qui s'est passé, je peux pas vous dire un peu, ils n'ont pas su me le dire non plus. Voilà, normalement elle vaut 15 euros cette box. Moi j'avais payé 25 parce que j'étais passée sur un autre site, ça m'avait fait des frais de port. Enfin bref, c'était une sacrée aventure. Je remercie Loubox de m'avoir envoyé quelque chose. Et je vais couper parce que je crève de chaud. Il faut que j'ouvre en face, ils font des travaux. J'ai fermé pour faire la vidéo. Allez, ciao, ciao.